Les gars, on a rempli mon studio avec 1000 putains de ballons. C'était un peu vulgaire. Mais mec, 1000 ballons dans mon studio. Dites-vous, au début, je voulais tout gonfler à la bouche. J'ai fait ça en 10 minutes, frérot. J'en ai vraiment pour un an. 2000 ballons. Heureusement, j'avais une petite connaissance qui s'y connaît très très bien en ballon, puisqu'il a déjà fait ça. Le frérot qui me cadre aujourd'hui. Les ballons, je connais bien les ballons. Les gars, Anthony Priolo, il a lui-même rempli son stud avec 3600 ballons. Ça veut dire que t'as un meilleur record que moi, frérot. C'est très long, mec. Mec, 3600. Ça veut dire là, pour toi, 1000, c'est rien. Si, c'est énorme. C'est énorme. Et heureusement qu'il était là, il a ramené un petit truc pour gonfler les ballons, ça a bien aidé. J'ai pris un gonfleur pour m'aider. Ah ouais, ok, ça va être rapide là. Il m'a brisé les tampons. Bref, les gars, je vous explique le concept d'aujourd'hui. Il est très simple. On est actuellement tous les deux, parce que du coup je t'ai mis dans la merde avec moi. On est enfermés dans mon studio, regardez. Il y a une clé normalement ici. La porte est fermée, frérot. Je peux plus sortir là. Je peux vraiment plus sortir du sud. Par contre, c'est inquiétant, ça fait peur. Et Anthony là derrière la caméra, c'est lui qui a caché la clé. Bon, les refs, le papier où il y aura marqué où se trouve la clé, on va le mettre dans un ballon. Ballon vert, ça va être pour la sortie. Où se trouve la clé? Le vert, c'est l'espoir. Donc, l'espoir de trouver la clé. Et aussi les gars, pas dans tous les ballons parce qu'il y a 1000 ballons, donc 1000 gages, ça aurait été beaucoup trop dur. Mais dans 100 ballons, il y a des petits papiers avec soit un défi, soit des bonus. Frérot, tu m'as pas mis des gages de bâtard quand même. Non, t'inquiète. Il y a une petite spéciale. C'est quoi la spéciale? Il le sait pas, faire un saut à l'élastique. Je sais qu'il a jamais fait ça et je pense qu'il a peur de ça. S'il tombe dessus, ça serait incroyable. On va prendre du rouge, ça me rappelle au sport extrême, je sais pas. C'est dedans, donc... Si vous le voyez éclater un rouge, pensez-y, ça peut être celui-là. Tu vas adorer. Non, franchement, tu vas prendre ton pied. C'est un indice, ça, tu vas prendre ton pied? Ouais. Non, mais on va faire l'amour? Ouais. Ça me fait un peu rappeler, les gars, le concept sans bouton challenge, mais c'est un peu remixé, quoi. Putain de merde. Bah, c'est parti, là. Let's go. Je t'ai dit, mec. Ah, là, je me suis éclaté le genou. Frère, c'est quoi ces ballons? Mais ouais! Non mais attends, même un humain il résiste pas là! Ah oh, bah alors, calme-toi pépère! Ah oh, mais frère, arrête d'avoir la gueule! Ah mais mec, attends, parce que si les 1000 ballons je les pète comme ça, je suis mal barré! Hein. Oh! Pépère! Ah! Y'a un papier là à l'intérieur là! Là, est-ce que le ballon avec la porte de sortie, tu l'aurais mis dans un ballon rouge? C'est pas la sortie, le ballon rouge, mec. C'est quoi le ballon rouge? C'est un truc que t'as vraiment pas envie de faire. Non, quoi? Je le garde en quoi? Attends! Ah oh là, y'a un papier! Oh, celui-là, regarde-le bien! Tu dois swipe 5 fois sur TikTok. Chaque meuf égale gonfler 10 ballons à la bouche. On va voir, t'es pour toi comme ça. Et toi, t'es un con. Si je tombe sur Elsa, j'ai un bonus. Ouais. J'ai un bonus? Ouais. Ah, mais j'ai plus de batterie. Oh le bâtard. Oh, j'ai plus de batterie. T'as un chargeur, toi? Non. J'ai un chargeur. On va s'en sortir. Je lance TikTok. Ouais. Wesh, frère, c'est quoi cette dinguerie? Combien mesure ton doigt d'honneur? Oh. Bon, bah, dis ça. Il mesure jusqu'au coquin. Donc là, c'est pas une meuf? Non. Thibaut in shape. Donc là, ça fait 2 de validé. Ouais. Ouais. Ah ouais! Non! Ouais. Non, mais frère! Non, mais c'est parce que c'est une meuf que je suis, parce qu'elle fait. Elle danse de ouf et tout. Ah ouais, ok. C'est pas validé ça? Pas du tout. Ça, c'est même. C'est très grave. C'est quoi ça? Y'a aucune danse, y'a rien. En vrai, là je te l'accorde. Mais frère, je tombe jamais sur ça normalement. Prochain. Ah, c'est une pub, ça compte ou quoi? Ouais, allez, vas-y. Et dernier, c'est bon, c'est un mec. Oh, je dois gonfler quand même 10 ballons, j'ai ouais, trop la flemme. Attends, c'est quoi ces ballons là? Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Ils sont un peu petits, non? Bah mec, c'est un ballon. Ouais, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi de bizarre dans ce ballon? C'est vrai que j'avais pas dit de gonfler des gros ballons. T'as trop le seum. De fou. 9. Allez, le dernier. Il me glisse des doigts. C'est bon, ça compte? Non. Ah mais oui, tu mets sur 2 doigts, comme ça tu fais passer dans le trou. Ok, défi validé? Ouais. Prochaine couleur, qu'est-ce qu'on va faire comme couleur? Je crois que je vais attaquer le vert. Bois le verre d'eau dans la cuisine. Mais attends, mais c'est une dinguerie. Ouais, vas-y. Mais j'ai trop chaud. Parfait mec, petit verre d'eau, j'ai pensé à toi.
dans la cuisine. Là. C'est quoi cette mec? Oh. Enculé. Oh. Ça me fait déjà tousser. Pourquoi je tousse? Pourquoi je tousse déjà? Oh non. Ça va, il y a trois petits. Les gars, ça je vous explique. Dabombe. Je l'ai pris une fois dans une vidéo, je teste mes limites. J'ai testé ma limite au piment. Vraie anecdote, tu sais ce qui s'est passé? Dis-moi. Vraiment, à genre de minuit à 6h du matin, donc t'imagines la nuit de merde, Elsa dormait avec moi, je faisais que toutes les 5 minutes, mais vraiment toutes les 5 minutes, c'était la nuit la plus longue de ma vie, je faisais que me réveiller, je m'allongeais par terre, je criais, je faisais ah, et j'arrivais pas à me retenir. J'avais l'impression que j'allais accoucher sa mère. J'ai déjà chaud, je suis déjà en sueur. Ça va, je suis déjà en sueur. Oh, j'ai bu un tout petit peu. Quoi? Oh, mec, bois une gorgée ce blé. Oh, fils de pute. T'as rien vu du tout, frère. Mais la vie de ma mère, c'est le pire piment du monde. Ah, arrête, ça arrache les lèvres. Moi aussi, j'ai trop mal aux lèvres, putain. Ah, ah. Putain, l'alcool. Non, s'il te plaît, je peux pas boire plus. Je suis traumatisé par le piment, je te jure. Ouais, bon, j'avoue, j'ai goûté, j'avoue que c'était très extrême. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, je peux pas boire plus. Ok, allez, vas-y, c'est bon. Tu m'accordes? C'est bon, parce que j'avoue que c'était vraiment rare. J'avoue. Oh là 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 là, ça va être tellement satisfaisant. Let's go! Mec, c'est trop bien, frère. Le malade. Comment ça, y'a pas de défi dedans? Y'a! Oh! Oh, j'ai vu un papier. T'as vu un papier? Ouais. En fait, c'est ça, si ça se trouve, je loupe des papiers. Oh, il y en a deux en fait, il y en a deux. Il y en a deux? Oui, oui. Ouvre le meuble TV et porte cet objet jusqu'à la fin de la vidéo. Oh. Allez! Tu vas être tout beau avec ça. Mais toi? Mec, en vrai. Voilà! T'as un thème avec les ballons en plus. En vrai, c'est dans le thème. C'est la fête! Dans un jour! Ouais, oh ouais, il y a vraiment un deuxième papier. Ouais. Appelle Inox et propose-lui un concept éclaté. Je veux voir s'il est sincère avec toi. C'est pas le concept de la vidéo là. Allô Mich. Oh, ouais Inox, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va, ça va. Gros dis, j'ai eu une galère, tu sais là, je fais une vidéo par jour. Ouais. Est-ce que tu serais chaud de tourner en deux spies? Une vidéo c'est on s'affronte aux puissances 4. Ok, et tu veux faire ça où et quand? C'est quoi la date que tu dois tourner? Bah quand tu veux, dès que t'es dispo je viens. Pourquoi on fait pas ça vendredi alors? Tu veux faire le truc puissance 4 vendredi? Ouais si tu veux. Vas-y, bah vendredi note dans ton planning, on s'affronte aux puissance 4. Vas-y, mais viens au Webedia hein. Et du coup, le perdant faudra qu'il fasse une vidéo où il s'habille la couleur de son jeton. Ah mais moi je sais pas si je vais faire une vidéo où je m'habille rouge toute la journée. Pourquoi? Bah parce que c'est éclaté un peu. Ah tu trouves c'est éclaté comme gage? Non mais gros, je vais faire quoi dans la vidéo? Je vais être habillé en rouge toute la journée. Tu sais que je me fous de ta gueule depuis tout à l'heure. Sale enculé, va. Putain, t'es vraiment un bâtard. Mais attends. Si on fait vraiment puissance 4, ça me va. En vrai, ça serait drôle. Mais ça va durer, la vidéo elle va durer une minute. Ouais, on verra. Là, on rajoutera des trucs si on le fait vraiment, je pense. Vas-y, ça marche. Vas-y, bisous le boss. Bisous, frérot. Non mais je crois que c'est une vraie idée de vidéo finalement. Oui. On va faire un puissance 4 et le perdant il a un gage à chaque fois. Est-ce qu'il y a un papier là? Tiens. Le petit papier. Achète une paire au cadreur. T'es un mytho. En plus tu te mets bien. T'en as profité, t'as vu l'opportunité. C'est la chose. Putain, en vrai, c'est honnête de ta part. Ballerine de danse noire, 4,99€. Mec, c'est exactement ce que je recherchais en plus. C'est vrai? Je te jure, ça fait des mois et tout, genre. Oh trop mec, trop bien. Tu sais quoi, bah je suis content de te l'offrir carrément. Putain, je suis trop content. Tu veux quoi en vrai? Non, vraiment ce que tu veux, vraiment. Dunklo. J'avoue. Mec, je te mets bien en vrai. Mec, franchement, c'est honnête de ma part. Hein. J'avoue, c'est très très honnête. Je te la commande. Waouh, attends, parce que moi j'ai vu le prix 172€. Frais d'authentification, frais de livraison, ça passe à 243, frère. Non, ils abusent. À la base, il y avait écrit 160. Non, mais c'est une dinguerie. Ajouter au panier. Putain, tu te mets bien, bâtard. Bon, allez, frérot, j'en ai marre. Allez, maintenant, c'est direction la sortie. Ah! Tu dois faire une omelette en moins de 5 minutes. Wesh. Sinon, tu gonfles 30 ballons à la bouche. 30 ballons, la vie de ma mère, ton omelette, d'abord 2 secondes. Oh c'est trop d'art. C'est la première fois que j'utilise ma cuisine de mon sud les gars. 5 minutes pour faire une omelette. Ouais. Comment on fait une omelette? Non pour de vrai. Non vraiment mec je sais pas. Faut mettre que le jaune d'œuf. Oh merde. Mets tout. Je suis gentil, indice, mets tout. Faut tout mettre? Ouais. Ah ouais?
Il était sérieux vraiment. Fallait pas tout mettre. Moi que tu rigoles. Arrête de mentir. Fallait pas tout mettre. Faut mettre que le blanc. Faut mettre que le blanc. Bah oui. Merde. Non je rigole, je vais pas tout mettre. Mais je vais te niquer toi. Voilà. Comme ça. Ouais. Oh. Non mais là c'est une catastrophe gros, j'ai mis de la coquille d'œuf. Attends mais ça cuit méga. Waouh, c'est brûlant. Faut mélanger, voilà. Indice numéro 2, faut mélanger. Faut mélanger. Casser des œufs, mélanger, c'est tout. C'est comme ça qu'on fait une omelette. Bah oui mec. Tu sais bah, que j'ai jamais fait d'omelette de ma vie. Sérieux hein. Bah mec c'est la première. Non mais là c'est pas une omelette que je suis en train de faire, c'est des œufs brouillés. Si justement, t'inquiète, vas-y. Je crois que c'est bon hein. Oh mec, j'ai mis le feu au maximum. Ça fait une omelette, je sais pas comment on appelle ça. Bah là c'est bon non, c'est cuit. C'est pas mal. Attends mais c'est trop rapide à faire une omelette. Bah oui. C'est une dinguerie. Mec, elle est trop d'art. J'ai terminé mon omelette les gars, c'est une dinguerie. Ah mais ça a vraiment le coup d'omelette. C'est validé du coup, en 3 minutes 20. Bravo. Défi validé. Validé, bravo. Tu vas sourire, tu vas prendre. Waouh. Tu dois. Ah, on peut pas. C'est quoi? Tu dois avaler un œuf cru. J'en ai pris. Ah, mais oui, merde. J'ai mis les deux dans l'omelette. C'est vrai, c'est moi en plus, j'ai dit mets les deux. Ça m'arrange. C'est une blague. Tu dois finir la vidéo en caleçon. Ah, bah, je crois que. Pourquoi t'as écrit ça? Je sais pas. Non, j'ai pas avant le tournage, je me suis imaginé des trucs avec toi et tout, donc je sais pas, enfin. Ah, ok, à partir de maintenant, tu filmes plus que le haut du corps. Ok, ça marche. Voilà. Pardon. Hop là. On dirait que je suis à poil. Attends mais gros pour le reste de la vidéo. Mais au moins tu vois, je savais que t'allais avoir chaud. C'est bien là. En vrai franchement ça aère les jambes. Voilà. Par contre t'es au courant que si je trouve pas le ballon avec avec la clé pour sortir, je vais rester comme ça pendant longtemps encore. Hey, j'ai envie de sortir de ce studio. Hey Michou. J'en ai rien à faire, je vais trouver ce ballon de merde. Hé, hey, 1000 ballons, j'en ai pété 4000, je comprends pas. Celui-là, écoute-moi bien. J'ai un papier, défi. Il y a intérêt que ce soit un bonus, sinon t'es foutu. Oh non, non, non. Attends. Bravo, tu as trouvé la clé, cherche dans les feuilles au-dessus du canapé. Cherche dans les feuilles au-dessus du canapé. Arrête de mentir. C'est quoi ce bruit? La vie de la mère. J'ai les clés. Tu sais que j'ai du mal à y croire tellement ça fait longtemps qu'on est là. Et oui mec. Liberté. Liberté. Les frérots, du coup vous l'avez compris, cette vidéo touche à sa fin. Enfin. Le peu de ballons qui restent, rappelez-vous, au début de la vidéo, le bordel que c'était. Il y a plus de ballons. J'ai tout éclaté, mec. Tout est marqué là par terre. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à demain, 18h, pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. J'espère que vous avez kiffé celle-là, que vous avez passé un bon moment avec nous deux. La chaîne d'Anthony est dans la description parce que, mine de rien, je vais voler son concept. De deux, c'est un crack parce qu'il m'a aidé à tout réaliser et en plus, il a cadré toute la vidéo. Il a morflé un peu avec moi en plus. Mec, t'es resté 3 heures alors qu'il fait méga chaud. Bref, les gars, je compte sur vous pour lui envoyer de la force. Moi, je vous fais plein de gros bisous. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, les gars, vous êtes des cracks. Mouah.